Salut, donc moi je m'appelle Quentin Massila, je suis français. Ça fait 10 ans que je suis au Canada, au Québec particulièrement. Et ça fait un an, bah, presque un an que j'ai rejoint le programme Global Invest. Je l'ai rejoint en décembre 2020. Donc avant de rejoindre le programme, j'avais regardé les vidéos YouTube de Florian. Pendant un an, j'ai suivi Florian sur les vidéos YouTube. Et c'est vrai que c'était du contenu très intéressant. Et bah, au fur et à mesure, bah, j'avais déjà en tête d'investir dans l'immobilier. Mais mon plus grand problème, ma plus grande peur, bah, c'était de me planter sur mon premier achat. Donc c'est pour ça que je me suis dit qu'il fallait que je me fasse accompagner. Et c'est là que bah, j'ai rejoint le programme de Global Invest. Salut tout le monde, moi c'est Cédric, je suis originaire de la région parisienne et à Montréal depuis 3 ans maintenant. Donc j'ai eu pas mal de peur au début pour me lancer dans l'immobilier. Heureusement, la formation de Florian m'a vraiment permis de dépasser des peurs. Je pense que pour moi, ma plus grande peur, c'était vraiment d'avoir du mal à trouver le financement pour aller avancer sur mes projets. Et la formation, elle m'a vraiment aidé à trouver des solutions, débloquer des situations compliquées pour passer à l'action massive. Bon, ben, salut tout le monde, moi c'est Alex Aracette, je suis de Sherbrooke. Qu'est-ce qui m'a fait peur un peu pour lancer en immobilier, ça a été un peu le fait que je perdais un peu trop mes jobs, un petit peu trop souvent. Puis le fait que je connaissais pas trop le marché et tout. Ça fait qu'avec le COVID, ça m'a comme un peu... dépêché à trouver une autre source de revenus, genre, puis à m'envoyer dans le coin que ça allait durer. Ça fait que je me suis lancé sur un coup de tête, genre le 18 décembre 2020. C'est récent, donc j'ai perdu 4 fois mon travail pendant l'année. Puis j'ai acheté mon premier bloc, c'est mon premier bloc sur un coup de tête. Puis après, peut-être 2 mois après, j'ai vu des vidéos de Florian, des cours qui passaient sur Facebook. Ça fait que j'ai suivi un cours, mais je trouvais qu'il ne m'intéressait pas trop. Tant que j'ai vu la vidéo avec Florian qui montrait genre vraiment au niveau international, qui était connu tout, ben ça m'a motivé à essayer de connaître plus, puis m'envoyer un peu dans les projets, parce que je trouvais qu'il y avait des projets vraiment super intéressants tout. Puis que ça me donnait le coup, c'est comme ça m'a augmenté pas mal dans mon estime par rapport à ça. Bonjour, je m'appelle Adrien Sif et Sarah. Je suis Camerounais d'origine. J'ai rejoint le programme KBO parce que d'enfant. Avant de rejoindre le programme KBO, j'étais déjà dans la voie de l'entrepreneuriat, mais je voulais quelqu'un qui devait m'apprendre et me montrer le chemin. C'est d'où j'ai fait la connaissance de Florian, qui avait les mêmes objectifs que moi, à réaliser les choses que je voulais avoir. J'ai décidé de me lancer avec lui parce que j'avais les mêmes objectifs que lui, il avait déjà réalisé. J'ai fait confiance justement à Florian, que je suivais depuis un an sur YouTube. Et pour le moment, je ne suis pas du tout déçu parce que tout de suite après le programme, en fait, un mois après, j'étais directement sur le terrain en train de faire des offres sur des potentiels biens immobiliers. Et j'ai eu mon premier bien à Trois-Rivières au mois de mai 2021, début mai. Et donc, je suis content parce que c'est déjà en cash flow positif. Et ça m'a fait passer à l'action parce que c'est le plus dur, en fait, c'est de passer à l'action. Et je me suis rendu compte que bah, finalement, c'est possible. Et qu'en étant accompagné, justement, on évite de faire les erreurs. Et maintenant, bah, là, je cherche à continuer à développer mon parc immobilier tout en continuant à découvrir des stratégies, des nouvelles stratégies avec Global Invest et avec Florian. Aujourd'hui, j'ai pu acquérir mon quadruplex pas très loin, à 45 minutes de Montréal. Donc, c'est vraiment un très bon move que j'ai pu faire grâce à la formation. Donc, je remercie vraiment Florian pour ça et toute l'équipe d'ailleurs. Et puis, là, le projet dans le futur, ben, c'est de continuer, passer à la prochaine étape et continuer à investir massivement ici. J'ai appris énormément là, avec les cours, monter des entreprises, comment sauver de l'argent, sauver pas d'impôts, vivre financièrement, comment là, bientôt je vais créer, c'est ça, une entreprise vraiment qui aide un peu les propriétaires, puis ainsi de suite. Puis m'envoyer un peu en business au niveau international, un peu personnel, des projets personnels. Mon seul conseil pour les gens qui hésitent à prendre
cette formation, c'est regarder juste la valeur qu'elle va pouvoir vous apporter dans le futur. Il faut vraiment pas hésiter, c'est un investissement, c'est pas un achat, c'est un investissement. Lorsqu'on fait cet investissement, honnêtement, j'ai eu un retour en moins de 6 mois d'investissement que j'avais mis avec Florian, donc n'ayez pas peur et foncez. Audio.